Le coup d'envoi des travaux ce samedi. Et à la Cour des comptes, c'est la fin de la série d'audiences mettant en cause les comptables publics accusés de faute de gestion. Ce vendredi, la comptable Moya Kabuela, bienvenue, était à la barre. Et à l'hôtel des villes de Kinshasa, Daniel Bumba, le nouveau gouverneur, a officiellement pris ses fonctions. La remise reprise a eu lieu ce vendredi. Le travail peut commencer. Voilà pour l'essentiel. Et avant de quitter Lubumbashi dans le Haut-Katanga, le président de la RDC, Félix Tshisekedi, a tendu une oreille attentive aux associations communautaires locales munies d'un mémorandum, occasion pour le garant de la nation congolaise de les appeler à l'unité en vue de relever ensemble le défi du développement du pays. Guilain Kabalundi, reportage. La composition du gouvernement souminois, la situation socio-économique et sécuritaire au pays, principaux sujets au cœur de l'audience que le président de la République a accordée jeudi à Lubumbashi aux associations communautaires vivant dans le Haut-Katanga. Ces organisations, qui ont avant tout félicité le chef de l'État Félix Tshisekedi pour sa réélection à la tête du pays, lui ont chacune exprimé ses préoccupations. Très attentif aux doléances des uns et des autres, le garant de la nation les a avant tout exhortés à l'unité. D'après le premier citoyen du pays, les ennemis de la RDC veulent surfer sur nos divisions pour nous affaiblir. Notre pays est très important. Et ce qui s'y passe en ce moment n'est pas innocent. On veut nous affaiblir, on veut nous dominer, nous rendre irresponsables à cause de nos divisions, de nos distractions. Nous sommes distraits pendant que les autres, eux, savent pourquoi ils nous font la guerre ou qu'ils veulent nous déstabiliser. Pourquoi est-ce qu'ils sont en train de déplacer nos populations dans certaines zones du pays? Et nous, nous continuons nos petites querelles, nos petites divisions, nous regardons qu'à notre nombril sans vraiment nous préoccuper de l'espace national qui est pour moi un don de Dieu que nous n'avons pas le droit de galvauder. Donc, chers compatriotes, moi je vous appelle d'abord à ce sursaut patriotique, cette prise de conscience. Mettons-nous ensemble et travaillons à reconstruire notre pays. S'agissant de certaines frustrations exprimées quant à la composition du gouvernement souminois, le président de la République invite ses compatriotes à attendre les réalisations ou mieux les résultats de cette équipe. Le gouvernement de Mme Souminois qui est là a été instruit pour travailler sur la réalisation, la matérialisation des 6 engagements que j'avais pris devant le peuple. Et je veux qu'à la fin de ce mandat, je puisse dire à mes compatriotes, voilà ce que j'ai fait. Le président a en outre sollicité l'accompagnement de tous pour la mise en œuvre de ces 6 engagements pour le développement du pays. Félix Tshisekedi s'est dit optimiste quant à l'avenir du pays et compte beaucoup sur la jeunesse qu'il tient à former et à éduquer pour faire face aux défis futurs. Et ce samedi, le chef de l'État congolais vient de lancer donc les travaux de construction d'une voie de contournement dans la commune de Mongafula, ce qui va désengorger la partie sud-est et celle sud-ouest de la capitale congolaise. Image à suivre plus tard. Et nous sommes donc à l'Assemblée nationale. Le renforcement des relations parlementaires, il en a été question lors de l'échange entre le professeur Jean-Claude Chilumbayi, premier vice-président de la Chambre basse du Parlement, et l'ambassadeur de la RDC au Japon. Il a encouragé les diplomates congolais à poursuivre les pourparlers avec la partie japonaise pour la signature d'un partenariat. Alain Bikaï. La question du renforcement de la diplomatie parlementaire entre la RDC et l'Empire du Soleil Levant était au cœur des échanges du premier vice-président de la Chambre basse du Parlement et l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo en poste au Japon. Lukumu Nantsenda est venu faire part au professeur Jean-Claude Chilumbayi de l'état des lieux de la diplomatie parlementaire et la nécessité de la création de la Ligue d'amitié parlementaire entre les pays de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et les Nippons, un pays à régime parlementaire. La question de la coopération bilatérale existante entre les deux pays dans les secteurs économiques,
technologie culturelle et de l'éducation a été aussi évoquée. Pour ce faire, le professeur honorable Jean-Claude Lumbaye a encouragé son hôte à poursuivre les pourparlers avec la partie japonaise devant aboutir à la signature d'un partenariat qui profitera à la République. La présence de cette ligue d'amitié serait absolument une force au niveau de la coopération entre nos deux pays. Il faut mettre le groupe sur pied. C'est la première réussite, c'est de l'avoir. Et nous allons l'avoir certainement. Et d'ailleurs, son Excellence est très proactif, c'est ce que j'ai pu comprendre dans notre conversation. Le Japon a ce que nous n'avons pas, qui est la technologie, qui est le savoir-faire. Et le Japon n'a pas ce que nous avons, c'est sur nos ressources naturelles et humaines. Cette rencontre a permis à des personnalités d'établir également sur les défis actuels et les moyens par lesquels les grands géants d'Afrique et le Japon peuvent poursuivre leur collaboration. Et à la Cour des comptes, c'est la fin de la série d'audiences mettant en cause les comptables publics accusés de faute de gestion. Ce vendredi, la comptable Moyaka Bouela Bienvenue était à la barre. Nancy Poba. La Cour des comptes, par sa chambre de discipline budgétaire et financière, vient de boucler ce vendredi 21 juin 2024 une série d'audiences publiques qu'elle a entamées depuis le mois de mai dernier. Des affaires qui ont mis en cause les comptables publics accusés de faute de gestion pour transmission tardive des comptabilités mensuelles à cette institution supérieure de contrôle des finances publiques. Après instruction en audience publique du 7 juin dernier, le prononcé de ce jour a concerné l'affaire impliquant la comptable publique Moyaka Bouela Bienvenue, code 0783. Elle a été, tout comme ses prédécesseurs, condamnée pour faute de gestion au paiement d'une amende de 20 millions de francs congolais. Les fautes de gestion mises à charge du comptable public surnommé consiste à la transmission tardive de ses comptabilités mensuelles à la Cour des comptes, ce qui constitue, au regard de l'article 214 de la loi relative aux finances publiques, une violation des règles d'exécution des recettes dans le chef de la mise en cause et partant des fautes de gestion. En effet, la faute de gestion concerne, en matière de discipline budgétaire, les actions ou omissions des gestionnaires publics entraînant des conséquences financières pour l'administration et pouvant avoir des conséquences importantes sur les finances publiques. Ainsi, les gestionnaires doivent être vigilants dans leurs actions pour éviter de telles infractions. La prochaine audience de la Cour des comptes concernera le directeur général de la Metelsat, poursuivi également pour faute de gestion. Affaire fixée au mardi 2 juillet prochain. L'année 2024 marque le début du quatrième cycle de financement du programme de travail d'Afritac Centre. Le comité d'orientation a donc dit sa réjouissance suite à l'élévation du budget du FMI en faveur de ce centre. Reportage Rick Nzuzi. Paris gagné pour la RDC, pays solution en ce qui concerne le réchauffement climatique. Une nouvelle thématique bénéficie désormais de l'appui du Fonds monétaire international à travers Afritac Centre Régional qui a clôturé les travaux de sa 26e réunion du comité d'orientation en hybride le 19 juin 2024 à Kinshasa. La RDC a soldé sa contribution pour donner l'exemple au milieu de tous les défis que nous avons et nous aimerions véritablement que le budget qui est alloué pour les deux prochaines années soit constitué par les membres. Monsieur le ministre, officiellement, nous tenons à vous passer la présidence du comité d'orientation et nous vous souhaitons un fructueux mandat. La RDC fin mandat s'est réjouie d'avoir payé entièrement ses contributions au financement de la phase 4 du centre régional, tout en félicitant le directeur Philippe Egoumé d'Afritac Centre d'avoir mis en place un programme de travail qui favorise des synergies. Le comité d'orientation s'est satisfait des réalisations d'Afritac Centre pendant l'année fiscale 2024 et note avec satisfaction la mise en œuvre de la stratégie FCS et la prise en compte des nouvelles thématiques prioritaires dans le programme de travail d'Afritac Centre.
Les participants membres, dont les 9 pays d'Afritac, ont suivi le passage du témoin de la République démocratique du Congo, Brazzaville, à Britra, la 27e réunion. Et aucune banque de la RDC ne peut être classée comme grande banque. C'est l'une des conclusions de la recherche du professeur Bob David Nzoimbengene, auteur de l'ouvrage « Banque, gouvernance et gestion présidentielle ». Le vernissage de l'ouvrage dans ce reportage de Chimène Kamoka et de Jean-René Kabamba. Banque, gouvernance et gestion prudentielle, c'est le titre de l'ouvrage rédigé par le professeur Bob David Nzoimbengene Luindula de l'École des hautes études des commerces de Kinshasa. Ce livre, publié aux éditions L'Harmattan, a été porté sur le fonds baptismaux par Monseigneur le professeur Mpere Boy, premier vice-président honoraire de l'ECC. Cet ouvrage de 283 pages, réparti en 6 chapitres, fait un constat d'un système bancaire congolais stable mais fragile et appelle les banques intervenant dans l'environnement économique congolais à une organisation et gouvernance efficace en vue de la gestion prudentielle des banques. Selon le professeur Modeste Bahati, cet ouvrage est riche en matière dans la mesure où il appelle les banques congolaises au respect des normes prudentielles pour une bonne gestion des crédits. De son côté, Yves Kuurpers, l'expert international à la gestion des banques, a vanté les mérites de cet ouvrage par rapport à son approche globale du secteur bancaire en RDC et cette proposition des dispositifs de lutte contre l'insécurité bancaire et des pressions fiscales. L'auteur donne ici les grandes lignes de sa publication. Cet ouvrage en fait, nous a permis aujourd'hui d'avoir un outil de catégorisation et de classification des banques avec trois facteurs retenus, dont notamment les ratios crédit-PIB, la capacité à financer les industries et le total bilan. Donc, partant de ce constat-là, on s'est rendu compte qu'il n'y a aucune banque de la RDC qui dépasse la note de 0,75. Le professeur Nzoimbengene est docteur en administration des affaires et expert comptable et il est également expert certifié en lutte contre les blanchiments des capitaux. Et de son côté, la Direction générale des impôts poursuit ses matinées de civisme fiscal dans les églises de réveil de Kinshasa. Le but, c'est de sensibiliser ces églises à s'acquitter de leurs obligations vis-à-vis du fisc. Reportage Jean-Pierre Ndolo-Demazi. La Direction générale des impôts va à l'assaut des églises de réveil de la ville de Kinshasa, une campagne de sensibilisation au paiement des impôts. Ces activités sont organisées dans les 4 districts de la capitale congolaise, à savoir Tchangou, Lukunga, Moamba et Funa. Il est question de rappeler aux églises, des associations sans but lucratif, leurs obligations et ceux de leurs fidèles. Poepo Mbongo, chef de division relations fiscales de la DGI, attend beaucoup des églises de réveil. Une église, en tant qu'ASBL, doit avoir son numéro impôt. Et en tant qu'ASBL aussi, il est collectrice des impôts. Donc, de ce fait, il doit payer les impôts auxquels il est collectrice. Parmi les impôts dont l'Église est collectrice, il y a d'abord l'IPER, parce qu'au sein des églises, nous savons qu'il y a aussi des travailleurs, il y a des sentinelles, il y a des secrétaires et tant d'autres personnels. Et on doit, en fait, l'Église doit payer les impôts de toutes ces personnes-là qui travaillent au sein de l'Église. Un message bien reçu par les responsables de ces églises. Dans notre pays, au moins 80% de la population fréquente les églises ou les mosquées. Cela nous donne la ferme conviction que les pasteurs sont des personnes habilitées à bien parler à la population pour la moralisation, pour l'éducation au civisme fiscal. La Direction générale des impôts tient à la maximisation des recettes pour permettre à l'État de faire face à ses engagements vis-à-vis de la nation, d'où cette mobilisation de toutes les couches de la population. Et on change de registre. Le directeur des services géologiques du ministère des Mines plaide pour l'implication de ce ministère en vue du financement des recherches géologiques dans les gisements miniers. Il a abordé la question avec le ministre des Mines, Kizito Pakabumba. Reportage d'Ada Chabani. Le service de géologie du ministère des Mines
joue un rôle capital dans l'exploration des gisements miniers de la RDC. Soucieux de s'imprégner du fonctionnement de ses services, le ministre des Mines, Kizito Pakabumba Kapinga, a reçu le directeur général de ses services, Raoul Ouezegua. Ce dernier a saisi l'opportunité pour brosser les tableaux des avancées dans la recherche géologique dans l'exploration des sites miniers des provinces minières. Il a sollicité l'implication du ministre Kizito Bakapumba pour le financement de l'exploration des nouveaux gisements qui serviront aux générations futures. Les directeurs comptent aussi sur les fonds miniers. Le souhait de son Excellence de voir à ce que le Service géologique national du Congo puisse contribuer à l'essor de pays en pouvant faire la recherche et découvrir de nouveaux gisements pour les générations futures. Nous sommes du genre à ne pas trop nous appuyer sur nos difficultés, mais plutôt à pouvoir relever les défis. Nous avons beaucoup plus des difficultés au niveau de financement pour l'élaboration de projets et l'exécution de ce projet, mais je pense qu'avec la création du fonds minier pour les générations futures, cela va aider le service géologique à pouvoir réaliser ses missions. Concernant le projet, le gouvernement a signé avec la firme Excalibur concernant la géologie sur quelques blocs prioritaires choisis par le gouvernement. Actuellement, nous sommes au niveau du bloc Kassai où les travaux au sol vont devoir commencer au courant de mi-juillet. Le président du conseil d'administration des lignes maritimes congolaises, SA, revient d'une mission d'itinérance dans le Grand Kassai. Il y a également pris part aux assises de DRC Mining Week à Lubumbashi. Sur place, Lambert Mendo-Malanga a échangé avec des responsables des sociétés minières sur les activités du géant des mers. DRC Mining Week, un événement à la dimension planétaire qui rassemble le monde du secteur minier, ce qui fait du Haut-Katanga la plaque tournante. Cette vaste plateforme d'échange de haut niveau offre sa tribune aux entreprises de ces secteurs et intervenant à mettre en lumière leurs produits et services, les cas de l'île maritime congolaise. Présente à travers son président du conseil d'administration, la mère Mindeo Malanga, à la tête d'une forte délégation. Nous avons essayé de parler avec les uns et les autres pour leur faire prendre conscience de la nécessité de pouvoir permettre à l'État congolais de percevoir ses droits qui lui sont dus dans la partie de son commerce extérieur qui passe par la voie maritime, que ce soit en importation ou en exportation. Le président du conseil d'administration du géant des mers a fait d'une pierre deux coups, effectuant en même temps une itinérance dans la direction régionale sud de la société partant de Lubumbashi dans le Haut-Katanga jusqu'à Kalemi dans le Tanganyika. Ajouté à cet exercice, Kolwezi dans le Lualaba, où il a eu des échanges avec les agents et cadres ainsi que l'intersyndicale locale. Par ailleurs, la grande annonce dans l'espace Grand Katanga restait la mise en service par l'armement national d'un réseau de transport routier transfrontalier. Et au ministère de l'Urbanisme et Habitat, le nouveau ministre pense accroître le niveau de la coopération, entre autres avec la Banque mondiale et l'Agence française de développement dans ce secteur. Voilà qui justifie cette série d'échanges avec les délégations de ces institutions. Nanou Mbapwati, J.R. Kabamba, l'agent. 50 millions de c'est l'enveloppe allouée pour la matérialisation concrète de l'aménagement du projet Ville durable par l'Agence française de développement. C'est jeudi 20 juin 2024. La délégation de l'Agence française de développement est venue discuter avec le nouveau ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, Crispin Badoupandjou, sur l'évaluation de ce projet. La ville de Boma, au Congo central, choisie comme ville pilote. C'est un projet qui nous semble assez exemplaire parce que soutenu par la première ministre également que nous avons rencontrée. Nous allons apporter notre appui
dans un territoire donné, en essayant plutôt de penser en aménagement. Bien après cette audience, le patron de l'urbanisme et de l'habitat a échangé avec une délégation de la Banque mondiale conduite par le directeur des opérations, Kofi Nov. Leurs discussions ont planché sur l'état d'avancement du fonctionnement des projets d'urgence et de résilience urbaine de la ville de Kananga au Kasaï central et celui du projet Kin Elenda. Par ailleurs, le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat a conféré avec une délégation de la coordination stratégique de supervision du projet d'extension de la ville de Kinshasa, CCSPVK. Un seul point à l'ordre du jour, la présentation de ces comités au ministre de tutelle, Crispin Badoupanjou. Cette délégation a sollicité auprès du tutelle l'organisation de la première réunion du comité de pilotage qui se tiendra le 1er juillet 2024 à Kinshasa. Et nous sommes à l'UDPS. Le secrétaire général de ce parti politique a clôturé les travaux de la commission de gestion des ambitions le vendredi dernier. Au cours de cette rencontre, Augustin Kabuya en a profité donc pour qualifier les propos de l'opposant Franck Diongo de fuite en avant. Cette tribune a permis au secrétaire général de l'UDPS de clôturer les travaux de la commission de gestion des ambitions et rendre publiques ses conclusions. Plus de 9000 dossiers venus de toutes les fédérations de l'UDPS, à l'exception de Mai Ndombé, ont été enregistrés et traités. Une première dans l'histoire des partis au pouvoir en République démocratique du Congo et une innovation signée honorable Augustin Kabuya. Celles, ceux ayant les profils requis seront affectés, car les cabinets politiques ne peuvent pas accueillir tout le monde. Et au propos de l'opposant Franck Diongo en Europe, le secrétaire général de l'UDPS précise que ce dernier n'a jamais eu un problème politique avec le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, ni avec son parti, si ce ne sont que les conflits d'intérêts personnels. Pour lui, c'est une fuite en avant, car cet homme politique s'est récité dans plusieurs complots contre les pays par les complices. Selon Augustin Kabuya, Franck Diongo était une marionnette et un flic au service du régime passé. Franck Diongo était complice dans l'arrestation de Jacquemain Chabani, à l'époque secrétaire général de l'IDPS, et d'autres opposants. À cet effet, l'honorable Augustin Kabuya invite la base de son parti à la vigilance, car les ennemis de la République et du chef de l'État cherchent à déstabiliser les partis pour semer le chaos dans les pays. Au péché, à nos troubles au sein du parti, Augustin Kabuya leur a promis une réponse proportionnelle à leurs menaces. À la question de reconnaissance des familles des compagnons d'Étienne Tshisekedi dans la lutte, le numéro 1 de l'UDPS a fait savoir que plusieurs fils et filles de ses pères fondateurs occupent déjà des postes de responsabilité au pays. Et dans une communication à la presse, la direction générale de CEP Congo attire l'attention du public et l'informe qu'elle ne demande aucun paiement lors de ses appels d'offres d'emploi. Toute offre de ce genre qui exige une somme d'argent pour les formalités d'embauche est systématiquement fausse. Il faut donc se méfier des escrocs des réseaux sociaux et dénoncer ces escrocs donc auprès de la police ou autres services de l'État compétents. Nous reviendrons donc sur cet élément avec détail dans nos prochaines éditions. Voilà. Et les agents et cadres de la Radio-Télévision nationale congolaise vont de nouveau déguster des mets dans les normes acceptables. Le restaurant rénové Monalise a ouvert ses portes ce vendredi dans l'enceinte de la RTNC en présence de la directrice générale Sylvie Elengue et de son adjoint Adolphe Voto. Désormais, les agents et cadres de la Radio-Télévision nationale congolaise ainsi que leurs invités disposent d'un cadre idéal pour déguster de mets dans les normes requises. Monalise, c'est le nom du restaurant rénové qui convole juste nos avec la RTNC. En séjour inaugural, les agents et cadres de la RTNC ont été conviés aux côtés de leur directeur général, Sylvie Elengue Niembo, et de son adjoint, Adolphe Voto. Madame Lisette Banza, propriétaire du restaurant Monalise, spécialiste dans l'art culinaire, explique ses motivations d'offrir ses services au personnel de la RTNC. Il y avait un besoin par rapport à l'appel d'offres, demander à ce que je puisse gérer sur base de nos compétences. Ça m'a demandé, avec cet effectif que vous avez de,
des agents et travailleurs qui sont à peu près à plus de 2000 personnes, personnels. Alors, je devais le faire pour le bien de tout le monde, au fait. Pour le bénéficiaire, l'attente a été longue avant l'ouverture de ce restaurant. Ça fait 27 ans que je suis dans cette maison. C'est la première fois que notre cafétéria révèle l'une de ses plus belles robes. On en a vu de toutes les couleurs, mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, ce restaurant, dans sa version actuelle, répond en fait à nos attentes. Le DG de la RTNC a à cette occasion souligné les critères qui ont milité au choix du restaurant Mona Lisa au sein de la RTNC. Après avoir reçu 5 propositions des restaurateurs à travers la ville, après avoir mené notre enquête, la commission qui était chargée de décider a porté son choix sur Mona Lisa, qui avait présenté une bonne proposition. Et donc, madame ici présente, madame Lisette Banza et Mehdi, connaît son travail et donc nous avons validé ce choix. Ainsi, les agents et cadres de la RTNC n'ont plus à effectuer des longues distances pour se restaurer. Les acteurs engagés dans la mise en œuvre de la résolution 2250 des Nations Unies à travers le plan d'action national en RDC cherchent les voies et moyens pour sécuriser les femmes et les jeunes filles dans les camps de déplacés à l'est du pays. Reportage Anastasie Doumbou, Tony Djuma. La situation des guerres qui sévit dans la partie est a beaucoup d'effets néfastes au sein de la population. Les déplacés des guerres éternées dans les camps des déplacés, notamment la femme et la jeune fille, vivent dans des conditions précaires. Elles sont parfois obligées d'aller chercher leur survie ailleurs. C'est dans ce cadre qu'un dialogue a été organisé entre les acteurs de la mise en œuvre de la résolution 2055 des Nations Unies à travers le plan d'action national en République démocratique du Congo pour trouver des voies de moyens en vue d'une solution adéquate. Les Nations Unies restent déterminées à soutenir les efforts de ce dialogue qui a pour objectif notamment de faire l'état de lieu du processus de mise en œuvre de la résolution 2250 et d'y apporter des solutions consensuelles pour la finalisation du processus d'élaboration du plan d'action national de la résolution 2250. Activité organisée par la coordination des mécanismes nationaux de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba. Le mécanisme national de suivi supervise la mise en œuvre des engagements pour la RDC et pour la région, concernant notamment la paix, la sécurité, la coopération. Des plaidoyers ont été présentés par les intervenants en vue de trouver des solutions pour une paix durable dans cette partie du pays. Projection du film documentaire Virunga Énergie, de l'obscurité à la lumière, en avant-première à l'Académie des Beaux-Arts, une initiative de l'ambassade des États-Unis d'Amérique. Cédric Kenina. Virunga Énergie, de l'obscurité à la lumière, un film documentaire qui retrace les vécus quotidiens des populations avant et après les projets Virunga Énergie. Il raconte comment la ville de Goma est plongée dans le noir à cause du bombardement des installations d'une ligne haute tension des Virunga Énergie le 6 juin 2023. Le film met également un accent particulier sur la résilience des habitants de Goma et des alentours du parc des Virunga à travers des témoignages des habitants recueillis sur place. Ce court-métrage donne l'opportunité de plonger dans le parcours de ces projets, de la conception à l'exécution, et donne une sorte d'aperçu de l'impact significatif de l'amélioration de l'accès à l'électricité. L'ambassadrice des États-Unis en RDC, Lucie Tamlin, a affirmé que ce projet est une immense contribution de son pays au développement de la région. C'était vraiment avec beaucoup de joie que nous avons collaboré avec ces jeunes cinéastes. Donc la moitié des recettes vont par la société et l'autre moitié pour ICCN. Donc ça va faire deux choses, ça va faire grandir la société, mais aussi soutenir ICCN qui a un travail très important de protéger tous ces espaces importants pour la préservation de la nature. S'en est suivi un panel où ceux qui ont participé à la réalisation de cette œuvre
ont répondu aux questions de l'assistance. Les cinéastes et réalisateurs Moemi Ouazam, ainsi que les réalisateurs, photographes et producteurs Nelson Makengo ont expliqué ce qu'ils ont vécu. Des émotions au-delà de l'espérance qui se lisaient dans les visages de leurs interlocuteurs. L'initiative Virunga Energy a pour objectif de fournir l'énergie hydroélectrique à environ 3,8 millions d'habitants et s'inscrit dans une démarche de développement durable. Et à l'hôtel de ville de Kinshasa, Daniel Bumba, le nouveau gouverneur, a officiellement pris ses fonctions. La remise reprise a eu lieu vendredi. Le travail peut commencer. Les 5 prochaines années, Daniel Bumba Lubaki présidera aux destinées de la ville de Kinshasa. La symbolique est intervenue vendredi dans la soirée à l'hôtel de ville. Comme de tradition, le cérémonial a commencé par la lecture de l'ordonnance présidentielle portant investiture du gouverneur de Kinshasa par l'inspecteur territorial de Kinshasa. Ensuite, le nouveau locataire de l'hôtel de ville a reçu de manière officielle les symboles du pouvoir, notamment le sceau et le drapeau de la capitale congolaise. Auparavant, le gouverneur Haï Charles Mutamuntu avait échangé les signataires des procès-verbaux de remise-reprise autant que le fauteuil. Cette cérémonie s'est déroulée en présence de plusieurs autorités nationales et provinciales et a été présidée par l'inspecteur général de la territoriale par intérim, Alidor Beyamulumba, représentant le ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutumières. Donc on est sur l'ensemble de partenaires et collaborateurs pour la réussite totale de cette mission dont le chef de l'État fait confiance. Nous souhaitons aussi beaucoup de bonnes chances et de victuer la mission là où vous allez exercer. À l'issue des séries qui caractérisent la cérémonie de remise-reprise, Daniel Bumba Lubaki, secondé par son vice-gouverneur Eddy Ieli, porte officiellement le poids des Kinlabel. Et la bonne gouvernance, c'est le maître mot pour qu'un pays émerge dans tous les domaines. Ceci a fait l'objet de la thèse défendue à l'Université pédagogique nationale par le professeur Moulangou Katulumba Félix Médard. Et c'est le dernier reportage de ce journal. La RDC est un pays aux ressources diversifiées, riche en minerais de toute nature, mais cette richesse s'avère être également son plus grand problème. Elle attire conflits et convoitises. Ceci a pour conséquence le fait que la population n'en tire pas profit. Cette problématique a inspiré cette thèse titrée « Gouvernance, ressources humaines, croissance économique et développement durable ». L'auteur, le professeur Moulangou Katulumba Félix Médard, a soutenu sa thèse pendant plus de 3 heures à l'Université pédagogique nationale, une étude comparative réalisée dans 4 pays de l'Afrique subsaharienne. L'île Maurice, un des pays sur lesquels nous avons fait notre étude, c'est un pays qui a émergé, un pays pauvre. Mais avec la bonne gouvernance, il y a équilibre dans le pays, les revenus sont répartis, étaient qui répartis. Par rapport à la RDC qui a beaucoup de ressources, mais qui est convoitée aujourd'hui. La solution, c'est la promotion de la bonne gouvernance. Les accords conclus avec les multinationales doivent profiter aux différentes parties. Créer de l'emploi à la population, éviter la corruption, redynamiser les entreprises et voir de quelle manière il faut traiter avec les pays voisins ainsi que les multinationales. Les professeurs Moulangou Félix Médard recommandent l'intensification de la coopération entre la RDC et ses voisins. Et c'est communiqué de la Régie des Eaux. La Régie des Eaux SA, Direction Générale de Kinshasa Ouest, informe ses abonnés de Montfleury, de la perturbation de la fourniture d'eau suite aux travaux de remplacement de la vanne DN400 à la station de l'Ozone. Par ailleurs, elle vous informe aussi que son usine de traitement d'eau potable de Ngalima sera en arrêt la nuit de samedi 22 juin au dimanche 23 juin 2024 suite aux travaux de maintenance du réseau au croisement
long du boulevard 30 juin et de l'avenue Kisangani. Par conséquent, les perturbations seront observées dans la fourniture d'eau potable dans les quartiers et communes ci-après. Gombe, Lingala, Kinshasa, Kazavubu, Ngiringiri, Barumbu, Bondal, Kitambo, Montfleury, Jamaïque, Ma Campagne et Joli Parc. Voilà. Et c'est la fin de ce journal, réalisé par Patrick Bapuila, sous la coordination d'Angèle Mabiala. Supervision éditoriale, Jacques Kabouaba. Michel Tamouzi était notre interprète des malentendants. Fanny Malunga l'a rédigé pour vous. Et à 23h, vous retrouverez Bobo Anan Mokondi pour une nouvelle édition de ce journal, justement. Madame, messieurs, bonsoir et bonne suite de programme en compagnie de la Radio-Télévision nationale congolaise.